Les clous de girofle pris en tisane donnent un antiseptique naturel puissant que l'on peut appliquer sur les régions douloureuses de la peau. Ceci aide à calmer les douleurs dentaires. Grâce à la propriété antiseptique, ils sont efficaces dans le traitement de certaines infections virales. On les utilise pour lutter contre le paludisme, le choléra, la tuberculose et bien d'autres. Mes amours, si vous inquiétez pour votre santé et que vous cherchez à connaître les meilleurs remèdes maison, abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la clochette de notification pour toujours recevoir nos conseils au quotidien. N'hésitez pas à commenter, à mettre un like. Si vous faites déjà partie de cette belle communauté, faites-le moi savoir dans les commentaires, je vous mettrai un cœur. Le clou de girofle soulage les troubles digestifs tels que les flatulences ou même les coliques. Ceci permet de lutter contre les douleurs musculaires. En couple, il est aphrodisiaque. Leur efficacité est reconnue pour donner du tonus à l'homme. Le clou de girofle augmente aussi l'afflux sanguin et assure ainsi la meilleure irrigation des organes. Pour cela, il faut le faire infuser dans une tasse d'eau chaude et boire. Ceci aide à soulager le mal de dents. Pour vous soulager rapidement, appliquez ceci sur votre dent. Juste quelques gouttes d'huile essentielle de clou de girofle, soit à l'aide d'un coton-tige, ou même vous pouvez simplement mastiquer le clou de girofle entier. Ça marche aussi très bien. Du fait de son action antibactérienne, il permet d'avoir une haleine fraîche, soulage également les aigreurs d'estomac. Mes amours, dites-moi dans les commentaires sous quel nom est-ce que vous appelez ceci dans votre pays. Dites-moi aussi comment est-ce que vous l'utilisez. Et au passage, n'hésitez pas à me dire de quel coin du globe vous m'écrivez, vous savez à quel point cela me fait grand plaisir de vous lire. Ceci est un remède efficace pour l'asthme. Il suffit simplement d'en prendre une cuillère à café, de préparer en faisant bouillir dans 30 ml d'eau. Puis prendre ceci avec du miel 3 fois par jour comme expectorant, ça va vous aider à calmer la toux. Si vous vous mettez à tousser, vous pouvez aussi vous en servir pour préparer un sirop calmant. En laissant infuser toute la nuit le clou de girofle dans un petit peu de miel, le lendemain matin, vous retirez le clou de girofle et vous prenez une cuillère à café du miel. Ça va grandement vous aider, je vous assure. Peut-être utiliser un désodorisant. C'est un très bon désodorisant pour la maison. Si jamais il y a des odeurs désagréables ou même une odeur de renfermé dans la maison, procédez comme ceci. Procurez-vous une orange ou même un citron et des clous de girofle. Plantez ensuite le maximum de clous de girofle dans l'écorce du fruit sans trop serrer pour qu'il ne tombe pas quand votre orange va se déshydrater en séchant. Les multiples composés organiques volatiles présents dans le zeste de citron ou même dans le zeste d'orange vont être libérés dans l'air et vous pouvez remplacer l'orange par le citron comme on l'a dit. Ça va tout simplement désodoriser votre maison et ça aura une très bonne odeur. Mes amours, n'hésitez pas à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes via les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram. N'hésitez pas. Pour vous, mesdames, si vous souffrez d'odeur ou même d'infection, faites simplement bouillir 20 g de clous de girofle dans 2 litres d'eau et asseyez-vous en bain de siège. Laissez la vapeur vous nettoyer. Ceci facilite aussi l'accouchement pour les femmes qui sont enceintes. Les spécialistes rappelle que l'essence des girofles est un excellent pansement pour le cordon ombilical. Ceci n'est ni toxique ni irritant, doué d'un certain pouvoir analgésique pour les bébés. Donc, n'hésitez pas aussi à vous en servir. Vous pouvez vous en servir pour démêler les cheveux en douceur. Pour cela, je vous conseille de mettre quelques clous de girofle dans un bocal avec un petit peu d'eau. Laissez infuser entre 2 et 3 jours. Utilisez ce mélange en dernier rinçage après votre shampoing habituel. Ça va très rapidement démêler les cheveux, donner de la brillance et surtout soigner la texture et même la nature profonde de vos cheveux. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres avantages liés à l'utilisation de ceci, que ce soit contre les rhumatismes, les douleurs, les remontées acides, la perte de poids, les problèmes de cholestérol. Le clou de girofle est tout simplement exceptionnel. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous en servirez en guérison, mais aussi et surtout en prévention. Cela en vaut grandement la peine comme vous avez pu le voir. Mes amours, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous préférez ne pas commenter, mettez-moi juste un tout petit cœur ou même juste un pouce en l'air. Rappelez-vous de partager ces informations pour que ça touche un maximum de personnes. Bisous, bisous!